tous. Nous sommes ici sur la place du village de Berre. Berre-les-Alpes, c'est un petit village situé dans la vallée du Payon. Nous avons une altitude de 710 mètres. Nous sommes 1300 habitants. Et nous avons l'avantage d'avoir une exposition de notre place de village qui est couverte sur les 360 degrés de l'horizon. Vous avez sur le sud la ville de Nice et toute la vallée du Payon. Vous avez au loin la mer Méditerranée que l'on voit par beau temps. Aujourd'hui, c'est un petit peu brumeux. Et vous avez de l'autre côté les montagnes italiennes enneigées toute l'année. De ce petit village, bien sûr, nous avons pu remettre en valeur notre château, qui est un château féodal qui date du XIIe siècle. Et nous avons comme ça constitué tout un patrimoine qui fait que, situé en haut de la vallée du Payon, nous avons créé depuis la place du village jusqu'au bas du village tout un chemin avec des locaux, avec des caves, avec des fours, et nous avons remis au goût du jour notre patrimoine communal. Aujourd'hui, je vous invite à venir le découvrir tous ensemble. Alors là, nous sommes à côté de la fontaine de Berre qui a été construite en 1900. C'était à l'occasion de l'amener d'eau à Berre, puisqu'il faut savoir que Berre, situé sur un promontoire, sur un rocher, il n'y avait pas d'eau. Il fallait aller chercher l'eau dans les sources du Brunin, qui est loin dans la campagne. Et l'eau est arrivée de Lucéram, mais à cette occasion, on a construit cette fontaine. Voilà, alors ici, nous sommes devant une autre partie de notre château. Vous pouvez voir les remparts, qui sont, eux, bien sûr, du XIIe au XIIIe siècle, on n'a pas la date exacte. Et vous avez ici la salle d'armes du château. Nous sommes en train de la réhabiliter, vous voyez, le chantier est en cours de réalisation. La salle d'armes du château va être transformée en brasserie de bière. Nous allons brasser de la bière, nous allons faire la bière de Berre. La bière de Berre, l'inauguration d'ailleurs de cette manifestation aura lieu à l'occasion de la fête du four. La fête du four, c'est une manifestation importante pour nous. Nous irons le voir tout à l'heure. Nous rallumons tous les ans, la fin juin, le four communal de Berre qui lui aussi date du Moyen-Âge. Voilà, alors ici, nous sommes arrivés dans notre église Saint-Laurent. C'est une église qui a dû être construite dans les années 1510 environ. Il faut savoir que cette église a été très affectée par le tremblement de terre du 23 février 1887 qui avait détruit la coupole. La coupole s'était effondrée et tous les déblais de la coupole avaient été mis dans les galeries du presbytère que nous visiterons tout à l'heure. Alors cette église a une particularité, c'est qu'elle a la nef qui est là-bas au fond avec deux autels de chaque côté et auquel sur un des autels repose un gisant, le gisant du Christ qui est ici mis sous vitrine évidemment pour ne pas être affecté. Nous avons également une vierge en albâtre qui est une vierge de grande qualité et ma foi cette église est très fréquentée puisque la population béroise est quand même encore relativement pieuse, ce qui fait que tous les dimanches nous avons grand plaisir à nous retrouver à l'église. Voilà, alors ici nous sommes sur le parvis de l'église qui a été restauré par la municipalité il y a 3 années maintenant. Et nous avons quelque chose de particulier, c'est que la chapelle Sainte-Croix des Pénitents Blancs a été construite en face de l'église. Dans le comté de Nice, je crois que c'est vraiment une exception puisqu'en général, elles sont construites sur les côtés ou dans le secteur. Cette chapelle est toujours utilisée pour l'office le mercredi lors de la messe hebdomadaire. Bonjour Maryse. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très très bien. Alors là, nous sommes dans le sous-sol de l'église et du presbytère. Ce sont les galeries du presbytère. À 20 ans maintenant, la municipalité, dans un souci de porter une assistance aux artistes, a décidé de déblayer ces galeries et d'en faire justement des salles d'exposition. À qui appartenait ce diplôme? Il appartenait à un conseiller municipal qui avait été élu. Donc moi j'ai retrouvé ça, ça devait être des amis à mes grands-parents, j'ai retrouvé ça dans la cave, tout roulé, un problème pour le dérouler, et voilà, il est là depuis quelques années. Alors comme je vous disais tout à l'heure, vous constaterez que Berre est construit sur un bloc de grès. Le village de Berre, et notamment les galeries et les fondations de l'église et du presbytère,
ont été creusées dans le roc. Vous verrez ici la dalle qui est le rocher, les parois qui sont le rocher, et derrière vous un trou et la voûte qui laisse bien ressortir les travaux considérables qu'il a fallu faire pour pouvoir implanter tout cela. Alors ici, vous avez un escalier qui a toute une histoire. En fait, cet escalier communiquait avec le presbytère. Et lorsque nous avons nettoyé les galeries, pour la petite histoire, nous avons retrouvé des restes de bouteilles de vin, pleines d'ailleurs, qui dataient d'avant 1887, puisque c'est à l'époque où les galeries ont été remblayées. Et à l'époque, donc, ce qui voulait dire que les curés communiquaient depuis le presbytère jusque ici dans ces galeries, où ils pouvaient faire ripaille, et ils devaient avoir certainement de grandes provisions, comme on peut se l'imaginer. Alors ici, nous sommes devant le moulin à vent de Berre. C'est un moulin qui avait été abandonné depuis bien des années. Il a servi de poulailler, il a servi de réserve, il a servi de tout ce que l'on peut imaginer comme local à débarras. Et la municipalité l'a racheté maintenant il y a 2 ans. Nous l'avons racheté pour toujours le même esprit, pour pouvoir créer un circuit touristique depuis le bas du village jusqu'à la place du village. Ce moulin va être restauré par des compagnons du Tour de France qui sont des spécialistes de la restauration des moulins et des passionnés de la restauration des moulins. Nous avons confié la restauration de ce moulin d'ailleurs à une association qui s'appelle les Ailes de Berre et qui est composée de gens de sympathiques bérois ainsi que d'une partie du conseil municipal qui a la lourde tâche de remettre ce moulin en parfait état. Ici nous sommes au bas du village. Vous avez les escaliers et une cave qui est ici tout de suite à ma gauche. Et c'est là qu'est né le Coro de Berre. Le Coro de Berre, c'est un groupe de chants qui est né, je crois, dans les années 1985, auquel d'ailleurs je participais à l'époque. Après, bon, les choses ont changé, eu égard aux nombreuses tâches qui étaient les miennes. Mais en tous les cas, Berre est un village d'artistes et nous sommes très heureux de les accueillir et de les héberger chaque fois que nous le pouvons. Alors ça, c'est notre four communal. Ce four communal, comme l'ensemble de notre patrimoine, vous le constaterez, a été construit dans les plus vieilles bâtisses du village. C'est-à-dire que ce four a été construit avant qu'on ne construise tous les édifices qui sont au-dessus. Et lorsqu'on sait que les bâtiments qui se trouvent au-dessus datent des années 1300-1400, on peut imaginer en 2 minutes l'année de construction de ce four. Il fait 3,80 m de diamètre. Et nous arrivons à faire cuire dans les 350 pains d'un seul coup. C'est un four qui a la particularité d'être très bas de voûte et d'être dans son état d'origine, puisqu'évidemment, on l'a laissé comme il est. Malheureusement, aujourd'hui, elles sont cachées par la brume, mais tout là-haut, vous verriez toutes les montagnes du massif du Mercantour, depuis le Gélas jusqu'au Mont Bégaud. Par devant, vous avez la cime du Diable, le Grand Capelet, le massif de l'Othion, qui est bien connu, voilà. Et puis là, le col de Brosse, là, un peu plus sur la droite. Et on voit la neige quasiment toute l'année, quoi, là, ici, de ce côté. Là-bas, on a la mer, et ici, on a la neige. Ici, nous sommes dans la Maison du Pays. C'est un petit magasin, un petit lieu touristique que nous avons mis en place il y a quelques années, où Cathy est la responsable, elle va nous dire ce qu'elle nous propose. Alors, je vous propose divers produits du terroir, tels que de l'huile d'olive, pâte d'olive, olive. Alors, il y en a qui viennent de Lucérame, l'Escarène, quelques fabrications sur Berre-les-Alpes, la crème de marron, sanguin à l'huile, cerise au sirop, artichaut à l'huile. Et puis après, on passe sur des produits artisanaux, poterie de Coaraz, et quelques objets avec le bois flotté, quelques petites magnettes peintes par Madame Martinoli, une peintre. Et puis divers objets tricotés aussi par quelques habitants du village. Nous sommes arrivés dans notre grande salle des fêtes, le Belvédère, entre mer et montagne, comme on le démontrait tout à l'heure. C'est une superbe salle qui a été construite par la communauté de communes des Pays des Paillons,
C'est une salle qui peut recevoir jusqu'à 350 participants que nous exploitons bien évidemment au maximum, puisque indépendamment de la salle qui est superbe, nous avons attenant à la salle tout le nécessaire pour faire des repas, pour faire des animations, pour faire des réceptions de grande qualité. Je vous dirais que Berre est un village tranquille et paisible. C'est un village où il fait bon vivre. C'est un village où la municipalité, qui est en place depuis longtemps, a essayé de préserver la tranquillité de ses habitants. Sans pour autant se renfermer sur elle-même, elle a fait tout ce qu'elle a pu, tout ce qui a été en son pouvoir, de manière à augmenter le patrimoine communal. Ce patrimoine aujourd'hui se compose, vous l'avez vu, tout au long de ce reportage, de locaux qui ont été réaménagés, qui ont été mis au service des artistes. Et pour cela, nous espérons et nous souhaitons accueillir tous les gens qui aiment les vieux villages, qui aiment les patrimoines anciens, venir chez nous pour passer une superbe journée. Berre est aussi le village des artistes. Il faut savoir que bon nombre de groupes d'artistes sont nés à Berre et vivent toujours à Berre. Nous avons le Coro de Berre qui a transporté le nom de Berre aux quatre coins du monde, je dirais. Nous avons la Bande du Paillon, nous avons également les Pink Floyd qui sont venus enregistrer à Berre il y a un certain nombre d'années avant les incendies catastrophiques de 1986. Bien évidemment, je voudrais rajouter à cette liste de gens de qualité Richard Kieraski, qui est un enfant du pays, qui est né à Berre et qui a passé toute sa vie à nous faire rire et à nous amuser. Merci Richard. Nous avons pour cela un nombre considérable de parkings qui sont de droite et de gauche et en arrivant sur le village qui vous permettent de stationner sans aucun problème pour venir dans nos restaurants déguster nos produits locaux qui sont de très grande qualité. Je vous souhaite de passer un très bon séjour dans notre village.